face à cette, ce révisionnisme, on nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. Donc j'ai décidé avec, je suis pas tout seul, on est très nombreux en France, dans la diaspora, et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Avichai Shikli, de lancer en France, et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. C'est un pur scandale. Le franco-israélien Frank Tapiro, 58 ans, publicitaire, a réussi à créer une milice privée de défense des Français juifs en lien avec le gouvernement israélien sur le territoire national et avec l'accord de l'État français. J'ai retrouvé le document officiel de la déclaration en préfecture des Hauts-de-Seine de cette association dénommée Diaspora Défense Force. Je vous cite son objet. Créer la première armée citoyenne de défense de la diaspora juive et de l'image d'Israël en France et dans le monde, dans l'espace public, les médias et les réseaux sociaux. Oui, vous avez bien entendu. Armée citoyenne de défense de la diaspora juive. Où ça? Les médias, les réseaux, mais aussi dans l'espace public, c'est-à-dire n'importe où, dans la rue, à l'école, dans les entreprises. Ces gens-là ont pu obtenir l'accord de l'État français pour créer une milice privée.